Et salut. Est-ce que je suis tout pile à temps? Je suis pas sûr en fait. Je suis même pas sûr qu'on entende la musique. Je suis même pas sûr que de rien. J'ai même pas lancé le chat. Oh, je voulais être à l'heure. Et du coup, j'ai lancé le stream mais je suis pas prêt. On parle d'un vrai streamer? On parle d'un vrai streamer. Twitch. En vrai, je suis pas sûr qu'on entende vraiment la musique. Salut Loris, salut Utopie. Hop, le chat en plus grand pour mes yeux. Et voilà, c'est bon. J'ai le chat, je vais pouvoir lire. La vie est belle. Salut Sacram. Nickel? Bon, bah c'est cool. C'est juste que moi j'entends rien. Parfait. J'ai pas fait les réglages. Du coup, comment vous allez? Moi, pas terrible, terrible. Mon téléphone rend l'âme. La batterie est foutue. Et du coup, ça fait que là, je suis à 32% de batterie. Et ça fait que descendre. Même branché. Salut Yuki. Ox. Même branché, il fait que descendre en fait. Ce qui fait que ça se trouve, je vais pas pouvoir assurer les 2 heures de stream. Et peut-être que Elfie va prendre le relais. C'est la galère, ouais, c'est la galère. Du coup, je vais envoyer le téléphone en réparation. Et entre-temps, je vais plus pouvoir stream. Il charge plus le téléphone. Donc, ouais, c'est nul. Mais voilà, j'avais annoncé dans une vidéo qu'on ferait du carry de VLAN Light and Dark de R5 pour ceux qui veulent. Donc si ça intéresse quelques personnes qui ont déjà débloqué le R5, ben, d'avoir le VLAN Light and Dark, n'hésitez pas à m'envoyer un MP et on va se faire ça. Salut Fink, re. Comment tu fais du coup Dranox? Parce que moi mon téléphone il charge même plus, même quand il est branché au secteur. Et éteint, il décharge. Donc c'est chiant. Mince, il y a un décalage? Oh fuck. Attends, je suis pas centré. Voilà. Salut Abnox. Je sais pas pourquoi il y a un décalage. Donc ne regardez pas ma gueule en fait. Faites comme s'il n'existait pas. Salut Jonathan. Yo Chéchi, ça va ou quoi? Je fais pas, j'ai racheté une batterie. Mais moi c'est pas une batterie amovible. En fait elle est rattachée à mon téléphone, du coup je suis obligé de l'envoyer au SAV. Salut Nisui Balux. Donc je peux pas faire, je vais attendre qu'il le répare quoi. Salut Shigesu. Nouveau surnom, PGMSU. Je peux te conseiller, bah oui ça sert à ça un stream hein. Si tu veux un conseil Rex, n'hésite pas. Bon, je suis encore à 32% de batterie. Par contre il faudrait qu'il charge. Du coup, vous allez très souvent voir le haut de mon écran comme ça là, va pas être, où je vais checker la batterie. Rachète un téléphone. Bah, il est encore sous garantie, du coup, ça me fait un peu chier quand même d'en acheter un nouveau. Premier live que tu viens de moi. Ah, j'ai le petit stress là, du coup, là, ce Toons. Tu vois, là, j'appréhende ce stream. Je vais peut-être arrêter le stream maintenant, tiens. Ah, bah, GG, Rachette. Merci pour le subscribe, ça fait plaisir. Je fais pas de PL. Si, si, carrément, je fais de ça. J'attends de qu'on me demande simplement si vous voulez que je fasse du PLR5, dites-le moi et on va essayer de vous faire ça. Ok? C'est le but de ce stream. Ah ouais, tu as fait ça à Shigetsu? J'attends de voir. Salut Totoy. Très safe en early. Non, tu fais pas de Galéon dans première team GB10. Tu fais le cœur de base, Veromoth, Bella, Shannon, Bernard et un DPS. Et ça passe. Bah salut, c'est les loups. Et moi, ça va très bien, ça va très bien, bien. J'aimerais bien le PLR5 fait des prérequis.
Est-ce que t'as un monstre qui a un leader skill résistance? Ce serait à peu près ça le truc. On va aller dans le canal 14-14. Vous voyez pas que j'écris 14-14, mais c'est le canal dans lequel je suis. Alors, si t'as un brillant ou quoi? N'importe quoi qui a un leader skill résistance en fait. Ratchet? Bah cool. Bon. Je vais créer le groupe, tu sais quoi? Et on va essayer. Une team TOA hard sans basal si possible. 100. Ah ouais, on en avait parlé, ça marchait pas toi. Comme ça, la volée, c'est dur en fait un peu quand même. Abnox, ce sera pas de review sur ce stream. Il y avait un... Salut. Ratchet, bah du coup je vais inviter Ratchet. On va faire du carry en fait, on va débloquer les vélins Light and Dark des gens. Enfin on va essayer en tout cas. Salut Dixit. Et du coup il y aura pas trop de review. Ok cool. Allez on essaie. Je peux pas carry R5, R4 en fait parce que si je suis avec vous, vous risquez très fortement de pas faire les 30% qui débloquent le raid 5. En gros, il faut que vous ayez déjà débloqué le R5. Ah, elle est bien, j'ai essayé toute la rune, elle est sympa. Elle est sympa. Ouais, je vous préviendrai quand je ferai des reviews. Ouais, j'ai vu Ashigetsu, elle est plutôt pas mal. Hein. Elle est plutôt pas mal. Bon, cette musique, elle me saoule déjà. Rien que j'entends le début, elle m'a énervé. Là, je suis énervé, là, ça y est. Ta question, combien faut-il def mini pour le R4 en front s'il y a 3 mobs? Ça dépend déjà s'il y a Darion ou pas. Mais à 3, j'aurais visé quand même un 1400 et quelques. Hein. J'aurais visé ça, moi. Bon, bien sûr, faut que mes deux teams ne meurent pas. Toi, t'as l'air de tenir quand même. Amnox, ouais, en fait, je vais certainement faire une vidéo un jour où je dis par exemple tel stream, on va faire des reviews. Et là, il faudra m'envoyer des MP parce que vous êtes nombreux quand même à demander des reviews. Je vous le dis au cas où si vous vous rendez pas compte, vous êtes nombreux. Et du coup, il y a beaucoup de monde, je risque d'oublier un peu à force. Ah, le son est décalé, enfin, ouais. En fait, c'est mon PC du coup. Le problème vient de mon PC, les gars, j'ai pas fermé toutes les applications avant. En gros, j'ai merdé. En gros, j'ai merdé, c'est. Y a pas de décalage normalement. Mais là, j'ai pas pris le temps. Je suis nul. Salut Kiza. Toi, je te disais justement, il faut que t'aies déjà débloqué le R5 pour faire ça, sinon on va pas pouvoir. Il soigne beaucoup le boss. Bon, c'est quand même pas trop mal parti pour l'instant. Carry le R2 de chez Daki. Je sais pas quel, je sais pas trop le niveau de compte de Hakimitsu, donc je sais pas si tu le trash talk ou si c'est pour de vrai en fait. Elle est bien ta team, Frenon? Je vais mater tes stats. Ça manque un peu de def pour ta frontline. Mais bon, pour l'instant, ça tient bien. Hein. Oh, c'était pas mal quand même là. On voit pas trop toute ta team à cause de ma sale tête là. Mais ça a l'air de tenir. Bah voilà, t'étais prêt. T'étais tout à fait prêt, hein. Annabelle est bien? Ouais, elle est carrément bien, Annabelle, hein. Je te redirige vers ma chaîne YouTube où j'ai fait une vidéo dédiée à Annabelle. Bah cool. GG Ratchet. T'as un Vela Light and Dark. Voilà. Salut Lendel. C'est plutôt cool.
Est-ce que Annavelle peut remplacer Bella pour le GB10? Pas tellement, c'est pas vraiment la même chose. Elle va pas enlever buff attaque du boss par exemple. Bon mais c'est cool. Est-ce qu'il y en a d'autres? Wesley? Hop. C'est quand que je fais un feat avec d'autres streamers? Je sais pas trop. Je suis allé en Belgique et Herbacha a refusé de me voir. Il m'a dit non, tu pues, je veux pas te voir, toi. Enfin, il m'a pas dit ça, mais en fait, il était malade. Du coup, je l'ai pas vu. Patapon, en fait, j'essaie de débloquer aux gens la succession du Raid 5 pour ceux qui l'ont pas fait. En gros, pour ceux qui n'ont pas levé l'un Light and Dark, eh ben, ils peuvent l'avoir, quoi. Salut Yaya Monster. Et si vous dites, oh, je ne vais pas les déranger, peut-être que ça va être une récompense de points plus tard, donc tant que c'est gratuit, essayez bien quoi. Ça vaut le coup d'essayer peut-être. Montre ta Xiao, s'il te plaît. Ouais. Elle est là. Et moi, je vais très bien, et toi, Okaya? Elle manque d'attaque, ma Xiaolin, quand même. Un peu de speed aussi. Donc voilà. Ma Miyang, elle est ruinée comme ça. Pas très très rapide, mais très tanky, en gros. Voilà. Est-ce que tu tiens? Mais ça se trouve, les gens, est-ce que vous faites... J'ai l'impression que tu faisais déjà le Raid 5 en fait. Est-ce que tu faisais déjà le Raid 5, Wesley? Si c'est pour juste passer à la télé, ça vaut pas trop le coup, hein. Pendant combien de temps je vais faire ça? Bah je sais pas, je vais en faire un peu là. Après je vais aller partir quand même sur d'autres contenus. Je vais faire mes Zelda Arena parce qu'elles traînent. Mais ça va être ça quand même. Quand vous avez besoin, je vais faire ça là. Pendant quoi? Peut-être une demi-heure, un truc comme ça. Mamadou, je sais pas. Kitsune O, elle est bien. Oui, franchement, oui. C'est un bon farmer Famine, par exemple, pour farmer. Bethany ou Ardella backline raid? Si t'as le choix. Non, je tiens pas après trop une proche. Ok, d'accord. Si t'as le choix, je pense que je ferai quand même Bethany. Tape un peu plus fort. Faut que je vérifie quand même que ma team tienne. Ok. 3K HP. Elle manque d'HP déjà. Elle manque d'HP. À ta place, j'aurais enlevé le Despair et j'aurais mis quelque chose qui donne des stats. Bon. Bon, ça devrait passer. Pas besoin de monter une Ardella? Bah. C'est un peu différent quand même parce qu'en soi, Ardella va mieux assurer le break attack vu qu'elle n'a pas de troisième sort à faire, elle va plus souvent faire le premier. Mais l'autre tape beaucoup plus fort donc je pense que j'aurais fait bétonnier moi. Bah cool, de rien. De rien, en plus je gagne encore une meule attaque 4-7%. Je vous jure, j'en ai trop de ça, je sais pas quoi en faire. Non, sans clean, ça tient, ça c'est pas possible. Bah vas-y, Hugs, on va essayer, hein. On va essayer. C'est quoi qui pourrait être une récompense plus tard, Shai? Ça crame? Bah c'est ça là, ce qu'on est en train de faire là. Le PL du Vélin Light & Dark. Ça sera peut-être une récompense avec les points plus tard. Donc voilà. Tiki. Tiki, non, toi t'es trop mauvais. Je sens qu'on va tous mourir si on est avec toi.
Ah, par contre, t'as pas de leader skill résistance. Est-ce que Hugs, t'as un leadrez? T'as un brillant? Ok. Tu n'as point. Ce que tu vas faire, mets lead def. Mets ton lead def. Moi, je vais mettre ça. Et je vais mettre brillant. Je vais mettre brillant, c'est quoi? Est-ce qu'il tient? Allez, on va dire qu'il tient. Non, j'ai pas eu. Je suis con, t'as pas mis le lead def. On recommence. Désolé. Non, Azazel, ouais, il y a un décalage, ouais, désolé. J'ai merdé. Faudrait que je relance le PC en fait. Ou même OBS tout simplement. Est-ce que vous voulez que je relance le stream? Est-ce que vous voulez que je relance le stream? Par contre, Hughes, tu peux relancer le combat s'il te plaît? On a merdé. Il fallait que tu mettes lead def et j'ai lancé avant. Ouais, je vois ce que tu dis, Hux. Ouais, je suis un débile. Bon, 30% de batterie, hein, ça va être short, mais je vais peut-être le faire. En vrai, c'est pas dérangeant, relance pas. Ok, bon, ok. J'espère que Brillant va tenir là-bas. Bah, dis pas merci tout de suite, hein, Hugs, hein. On est pas sûr de réussir. Tu vois? Il est pas skill up ce truc ou quoi? Ah non, il est pas du tout skill up. Mais pas du tout. Il a pas posé le recovery. Salut Floki. Mais Ardella, ça tape hyper fort, hein. Merci Vas pour le follow, même si je stream pas sur ma chaîne perso. Ouais, ça fait plaisir de savoir que des gens me suivent. Me saoule cette musique. Oh, putain. Et salut Floki, je sais pas si j'ai dit salut déjà. Ça se trouve, je répète les saluts aux mêmes personnes. Première 4 Armana. Enfin, ah, ouais, Bella, Xion de Fei, Shazun, Konami Yang, ça passe. T'as pas de DPS en fait. T'as pas de DPS, t'as 6 supports dans ta team là. Ça passe pas. Bon, là il va falloir que mes monstres se sortent les doigts du cul. Pas sûr que ça passe. On va voir. Salut Edge. Tu fais toujours que full R5. Qu'est-ce que tu dis, Wissem? Je comprends pas. Bon, on est mort. Ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. C'est dommage. Je peux pas tanker trois têtes. Ça c'est sûr. Je le sais. À moins qu'Anavel, genre, elle sorte vraiment le doigt du cul là. Et qu'elle soigne. Maintenant. Est-ce que tu peux? Salut Rami. Eh ben non. Ça aurait été trop beau. Non mince. Je pense pas qu'on puisse pour toi, Hughes. On aura essayé.
On aurait essayé. Désolé, Hughes, ça ne va pas marcher. Je tanque pas à ce point-là. Mais moi, Vulture, ça va très bien, et toi? Je prends au pif, hein, les gens. Je suis désolé s'il y a quelqu'un qui a écrit avant. Je prends vraiment au pif et je me dis qu'au pire, on essaiera une fois sur chacun. Ok. On essaie comme ça. Nickel. C'est pas sûr qu'il tienne devant ton brillant. Bon, on la tente. Oui, ceci est ma coque de mon téléphone. Parce que oui, je... Bon, on s'en fout. On s'en fout, en fait, on s'en fout. Tu peux écrire dans le 14-14 que je check ton compte? Ouais, pas de soucis. Y a pas de soucis. Yo! Le monde clou, si le skill up et que change les skills après, ça retombe à zéro. Non, non. Ça, tu gardes tes skill up, t'inquiète pas. Juste, tu peux choisir un autre arbre de compétences. Un conseil de runage Elpuria pour Frontier 5. C'est qui Elpuria, Zetsu? Je vois pas qui c'est. Le danger, ce serait que ma team meure en fait, à droite là. Celle de gauche, ça va, elle tient quand même plutôt pas mal. Mais celle-là, elle est quand même. C'est la deuxième team quoi. Donc, ouais. Elle est plus sujette à mourir que. Que la première. Level 20 et t'as chopé Psama dans un VM. Ok, pas mal. Est-ce que tu peux le faire comme un premier farmer? Je pense que oui. Je pense que oui, il a une AOE et s'il meurt, il a la sécurité de revenir. Je pense que ça peut marcher en premier farmer, ouais. Salut Flo. C'est Serpent Light? Ok, d'accord. Ouais, c'est un peu un Mei Yuang, un peu lui. Vraiment, rune-le comme un Mei Yuang. Ah, fuck, y a pas de break attack. Mettez un break attack, les gens, please, please. Oh, c'est pas de chance là. En vrai, c'est pas de chance, ça aurait pu marcher si le break attack était posé plus rapidement. En vrai, j'ai envie de la retenter, tu vois, parce que c'est juste pas de chance quoi. Désolé les gens, on va la retenter. Parce que là, franchement, on est tous morts en même temps parce que pas de chance quoi. Il y a un Rakan? Oh, GG. GG. C'est pas vraiment ta faute là, LC. On la refait en encore un peu de temps les gens. Hein. Je sais que c'est un peu relou pour vous, hein, vous attendez et tout ça, mais je pense qu'on va. On va réussir, je pense. Teward 77, 4 Martial Dark, il est relou celui-là. Comment tu fais pour le passer? Bah comme tous les étages de T-Ward en fait. Du stun, surtout beaucoup de stun et du dot. Tu voudras hein, cette revanche hein, sur ta colline. Hein. Ça aide à ce que le break attack soit toujours là. Voilà, c'est un détail hein, mais je te le dis.
Salut Dean. C'est mieux Ravity ou Kona pour raid? Kona full skill sera mieux que Ravity, par exemple, tu vois. Moi j'aime les deux, honnêtement. Mais malheureusement, j'ai joué aucun des deux. Donc je peux pas donner d'expérience personnelle. Tu vois ce que je veux dire? Salut Bulbator, ça va bien et toi? Vitesse PV attaque, ça passe. Sadal mec, Sadal Melikelbus. Ouais, ça passe, hein, ça passe, hein. De toute façon, ils font un mélange de toutes ces stats, et du coup, si tu le fais sur les runes 4 et 6, ça le fait, hein. Fais une revue de tribu des mains avec toi pendant le run, ça peut être sympa. Ah, ouais, j'avoue, je te peux donner des conseils du coup pendant le. Pour ta future Team Red 5, je peux te conseiller, c'est pas mal, ça va bien jouer. Bien joué à Zartox785, a donné quelque chose de constructif. Du coup, ta colline, il faudra plus de. Il faudra du revanche déjà, priorité. Parce que là, tu vois, on n'a pas de break attack. Si c'est bon, il vient d'arriver. Ton Mei Wang. Il est correct. Il manque un dégât crit ici, tu vois. Mais au moins, t'as fait les stats défensives en premier et c'est le plus important. Il faut qu'il tienne la frontline. Bah, lui, il est pas là normalement. Pas assez de défense. Mais sinon, le reste est bien. Elle a beaucoup de résistance, c'est cool. Résistance bien. Pas assez de défense. C'est juste quoi, t'as les stats pour du R4 mais pas du R5 encore. Tawa enlève le violent. Enlève le violent de ta war en fait, et mets-la en sweep le plus rapide possible. C'est mon conseil. Delphoi, ça dépend où tu l'utilises. Si c'est du raid violent, pour le clean, ce qui vient souvent. Allez, Colin, sors les doigts des fesses. Mets un break attaque. Break, buff, c'est pas tout à fait la même chose en fait. Pourquoi y a pas break attaque, sérieux là? Ah, Annabelle soigne. Cool, c'est bon. Bon, ça devrait peut-être passer du coup. Désolé. Ouais, c'est vrai qu'il a pas de DPS dans sa compo, hein. Là, c'est vraiment du carry pur et dur là. Mais c'est vrai que t'as pas de DPS. Il faut que tu runes mieux tes monstres pour du R5, quoi. Pourquoi Swift, tu vois? Ça sert à quasiment à rien qu'elle prenne plusieurs tours. En fait, si. Ah non, 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 me dis pas que je vais perdre. Il reste rien. Ok, c'est bon. Imagine, tu vois, il reste 20% de la barre du boss. Tu tapes une fois, tu proc violent. Ça sert à rien parce qu'elle est déjà à 0%. Et en plus de ça, si tu proc violent plein de fois, tu vas incrémenter le compteur qui va provoquer un stun. Donc voilà, ça sert un peu à rien. Vaut mieux qu'elle joue plus souvent grâce à la vitesse que grâce au proc violent. Et en plus de ça, t'apprends plus fort. Donc voilà. Et de rien quoi, team. Je savais qu'on pouvait le faire. Du coup. Désolé hein, les gens, je prends vraiment le premier que je vois. Hein. N'hésitez pas à reposter des messages. Hein. Lucian en raid, c'est plausible? Non, je l'ai fait une fois, ça pue la merde. Vraiment. C'est vrai qu'il met le recovery sur le 1 et il peut mettre un petit slow. Mais sinon, pas terrible. Voilà, go. À peine GB10 et Rakan, ouais, c'est pas facile à runer au début. Hein. Mets-le en triple énergie, PV, dégâts crit PV si tu peux avec du tocrit, et puis voilà. Molong, violente en vampire, je sais pas. Franchement, le panda haut, je sais pas comment je le runerai. Et c'est pas pour déconner, hein. Je. Superplexe sur le monstre, sur sa façon de le jouer. 14-14 le Chan, le stick pour que je vous prenne en groupe et qu'on aille. Gagner un vélin. Et au fait les gens, si vous invoquez le vélin, n'hésitez pas à le dire dans le truc. Merci Raybrand pour le subscribe, ça fait plaisir. N'hésitez pas à dire le monstre que vous avez vu dans le vélin.
ça peut nous faire plaisir de voir ça, quoi. Du coup, ton Ravity manque beaucoup de def. Je pense qu'il va mourir, lui. Il manque beaucoup de def. Ta Delphoi, elle est bien. Elle est lente, par contre. Elle a de la res, c'est bien. C'est bon, tes deux cleansers, ils ont bien de res, donc ça, c'est cool. Par contre, il manque un peu de speed, tes cleansers. Genre, ouais, plus 24 et plus 45, ils sont beaucoup trop lents. Ta Shazoon manque de défense, mais elle a beaucoup d'HP, donc peut-être que ça va suffire. Derrière. Manque d'HP. Voilà, je le dis. Et elle, elle a le revanche. Elle est beaucoup tanky, ça c'est pas mal. Franchement, elle est... Ah, pas beaucoup de def. Essaie d'enlever des PV et mettre de la def. Parce que 550 de def, c'est pas beaucoup. Le reste, c'est correct. Un peu lente. Mais c'est pas les runes maxées encore. En gros, t'as du taf sur tes runes avant de faire le vrai R5, quoi. Strain. Ok, bah de rien, quoi, team. C'est cool, c'est un bon. Si tu l'avais pas, il est très fort en TOA. Les R10 niveau caché. Ouais, on va essayer, Destin, si tu veux. Je vais appeler les devs. Et on va faire les trucs où il y a que des meules légendaires qui tombent. Je peux redonner les stats de quoi, Prax? Verde, Bella, Sigma, Vero, Spectra, Megan. Bah si tu fais justement c'est... Ah, moi j'ai joué Verde, Vero, Bella, Sigma, Megan. J'ai joué ça moi. C'est la team que j'ai joué personnellement. Bon, est-ce que ma team va pouvoir finir tout seul? Genre là, il faut vraiment que le monde Clouse, il sorte les doigts des fesses. Genre, maintenant tu fais éruption. Go! Bah, ça devrait passer. Cool! C'est quoi ton nouveau monstre frontline, Destin? Est-ce que Lisa, Colin, Panda, Feu, Chilling et Sigma? NB10. Sigma Russe pour NB10, c'est pas terrible. Ben moi, ça va très bien, Brice, et toi? Ça va très bien. Bon. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. On trouve des vélins Light and Dark un peu partout. C'est les soldes, hein, c'est les grosses soldes dans le Red 5. Ah oui, c'est vrai, ouais, t'as Liu Mei, GG, c'est vrai. Si on n'a pas de lead res, on peut participer. Bah, tout à l'heure, on a essayé, j'ai mis Brillant. On a fail. On peut essayer, mais c'est vrai que ce sera pas pareil. Ce sera pas mes vrais teams. La batterie va tenir, on est à 25% de batterie, je pense que ma batterie va pas tenir, c'est vrai. Merci de me demander, Granola. Je sais pas. J'ai commencé à 33 et en 30 minutes de stream, j'ai perdu 8%. Ouais, Zedman, ouais, je suis au courant qu'il y a un petit décalage. Pas de review sur ce stream. Là, on va faire un truc... qui durera pas 2 heures, je pense, parce que mon tel va lâcher. Et peut-être que Elfil va pouvoir reprendre le stream. Si mon téléphone lâche. Qu'est-ce que tu mets comme nuker à la place de Sigmarus en écrou? Ben. Une Rakshaza par exemple? Est-ce que t'as une Rakshaza? Écoutez, monstre à toi. Nice. Il est bien, son Darion. Bien tanky. Il manque un peu de res, mais on s'en fout. C'est pas très grave. Ouais, il manque un peu de def. Hein. Pas de revanche. Ça, c'est par contre, c'est pas. Faut que tu trouves un set revanche sur ta colline au moins. Pas mal, elle. Manque un peu de def et d'HP, mais pas mal quand même. Vu que t'as Darion, ça va. Tomber là, manque beaucoup de def par contre. Voilà, je te le dis. Et lui, il va mourir. Ah non, il est backline, je suis con, ça devrait aller alors. Et normal, il est pas là d'habitude, Brillant.
Et Tawa, elle est en Swift, donc ça c'est pas mal, ça visite des stats offensives, mais elle est trop fragile. Elle va pas tarder à mourir, elle, par exemple. Mais Vulture, je joue pas à la souris, hein. Il est au minimum, là, je suis sur mon téléphone, tu vois. Et tu tellement il est sombre, tu vois pas la lumière. Il est au minimum, là, mon téléphone. Pourquoi tu ne peux pas le brancher? Matrix, il est branché, en fait, c'est ça le problème que j'expliquais. C'est que mon téléphone, là, il est en fin de vie du tout. Oh, t'as crash, t'es sérieux? Bah, je finis le run pour moi, hein. Bah non, on va perdre, en fait. Ah, le crash a pu du cul, par contre. Et mon téléphone est branché, mais il se décharge, même chargé. La batterie est morte. On va perdre, de toute façon. Tu n'as pas de regret, on n'a pas réussi. Pendant ce temps, je prends quelqu'un d'autre. Hein. On essaye avec quelqu'un d'autre. Et après, je te reprendrai après. Salut, Yomelo! Comment on fait pour que tu nous carries? Vous écrivez dans le 14-14 et on essaie de vous carry. C'est pas dit que j'y arrive, hein. J'ai fail quand même deux fois. Mais réussi 3, je crois. Donc en soi, ça peut. Bon, je prends quelqu'un d'autre. Hein. Les conseils, c'est pas si facile, les gars. Parce que je peux pas voir vos monstres et je vais pas aller sur votre île pour voir ce que vous avez comme monstre. Hein. On essaie quoi. Et moi je vais très bien et toi Yo-Yo Mello. R3, je te conseille pas de le faire Toy Toy en fait. Je te conseille de faire du DB10 jusqu'à ce que tu puisses faire du Red 4 directement. C'est un peu comme farmer le GB8 au lieu du GB10 en fait. Je peux carry un Khalid Crit. Je peux essayer mais mes équipes seront pas aussi optimales. Il me faudrait un lead res pour compléter mes teams. On réessaye avec Almania. Ouais, ma batterie là commence à fondre. Je suis à 22% de batterie. J'étais à 25 il y a genre 5 minutes. Ça commence à partir. Salut Nasu, comment tu vas? Du coup, je pense que malheureusement ce stream va s'arrêter à 21h, truc du genre. Mais moi, ça va très bien toi, Varius. Je suis triste, je vais pas pouvoir stream pendant un petit moment. Qu'est-ce qu'il dit Doudou? Lol Doudou. Oui, Siralk. Mais faire du raid 3, ça veut dire que t'as pas. Ouais, c'est vrai que c'est pas la même mentalité. C'est que t'as pas les runes pour faire du raid 4, du coup. Et monter les runes que t'as actuellement avec les récompenses du raid, c'est des runes que tu vas changer très rapidement en fait. Donc ça vaut pas le coup. Salut Pégase. Ah, si t'as pas fait le GB10, tu vas avoir du mal à runer un Rakan. Hein. Oublie. Hein. Bah ouais, je vais devoir peut-être investir dans une tablette. Hein. Bon, ce truc c'est que j'ai pas trop les moyens quoi. Mais la chaîne une batterie. Bah, j'aimerais bien changer juste la batterie, mais la batterie est pas movible. Enfin, dans tous les cas, je vais envoyer le téléphone au SAV. Il est encore sous garantie, donc il devrait me le remplacer. Mais je sais pas combien de temps ça va mettre quoi. C'est juste ça là en fait le souci. Hein. Oh merde, Ardella, elle est déjà morte. Sérieux? Bah oui, Pangel, ouais, j'aimerais bien. Mais même en fait, quand il est éteint, il se décharge. Tu vois, quand je le branche sur secteur et que je charge ma batterie, bah il se décharge. Voilà, c'est un peu de la merde, quoi. Vraiment, il y a un gros problème. Hein. C'est pas normal qu'un téléphone, quand tu le charges, il perde de la batterie, tu vois. C'est pas normal.
Une petite place pour les caries, ben on peut essayer, parce que là si on réussit pas avec Alignat, je crois, je sais plus comment il s'appelle, on va changer de genre. Colline, même break attaque. Cool, c'est bon. Bon, du coup là j'ai peut-être devoir tanker 3 têtes. Si Annabelle décide pas de soigner maintenant, il n'y a aucune chance. What? What? Ah merci beaucoup putain. Wow. Par contre, je me calme sur les dons âpres. Bah, tu m'étonnes que tu te calmes. Merci beaucoup. Waouh. Merci hein. On tape tous des mains, je fais pas trop des mains parce que là j'ai. Mais on a réussi en plus avec Almiat, c'est cool. Putain, j'étais pas prêt hein. J'étais vraiment pas prêt. Merci. Oui, on va parler. Putain, j'ai. Ouais, merci, putain, c'est trop cool. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça, Elendel? Tu dois au moins investir pour la tablette. J'avoue. C'est vrai. Qui veut? De rien, Emiliana. Je prends au pif, hein, les gars. Désolé, je prends vraiment au pif. Quelle tablette? Je sais pas du tout. Le stream où j'étais pas prêt de. C'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près le stream où je suis pas prêt du tout. Est-ce que t'as un lead res? Ah, t'as un lead res, s'il te plaît, Alain. Et quelqu'un peut donner les points? Est-ce qu'il y a un. Est-ce qu'il y a un. Un modo, je vais devoir noter. Allen, ça va pas être possible. Il me faut le lead PV en fait pour que ma team. Putain, merci beaucoup, mais putain, mais merci les gars. Godash, c'est une tablette. Bon, bah merci les gars. Ouais, c'est ok. Je ferai ça un jour. Dans les jours qui arrivent. Merci beaucoup, Destin. Merci beaucoup, tout le monde. Et Allen, il me faut. Soit que tu mets lead def, soit que tu mets lead res. C'est pas possible. Je peux pas. Allen. Parce qu'il me faut lead PV et def, moi, pour ma team. Ah bah cool, bah voilà, c'est bon. Oh bah nice. Fallait le dire. Ah c'est pour tablette, mais nickel Elendel. Nickel, mais merci Destin, merci Elendel. Je vais investir dans une tablette. Et waouh, voilà quoi. Elle coûte combien la comment s'appelle? Machin chose bidule là. Vous êtes vachement renseigné hein, quand je dis machin sur le bidule, vous savez de quelle tablette je parle. Comment ça s'appelle? La Nvidia, moi la Nvidia me tente beaucoup en fait. Donc ça. Je me dis, pourquoi pas hein. Comme ça, j'aurai un bon rendu sur le stream et tout. Oh, et je vais devenir professionnel streamer de Summoners War. Les gens, ils vont dire, waouh, qu'est-ce que c'est beau son image. Elle est fluide. Et... on dirait un film de Hollywood. Merci, merci beaucoup Vulture. Putain, vous êtes vraiment sympa hein. 170€, tu peux te prendre la galaxie tabac et une 5-5 qui est bien stable au moins. Ok, ouais parce qu'il me faut un truc stable pour pas que je bousille la batterie du téléphone qui arrive avec Summoner's War en fait. Salut tonton. C'est quoi ton tel actuellement? Bah c'est un téléphone qui me posait aucun inconvénient, j'aimais bien, tu vois, c'est un Wiko Fever. C'est pas du haut de gamme, mais voilà, ça me suffisait largement pour ce que j'en faisais. Et juste la batterie, bah, elle a fondu avec Summoner's War, quoi.
Elle a vraiment fondu. Meurs pas, mon équipe à droite, là, please. Meurs pas. Soigne. Ah, elle va mourir. Il faut pas qu'elle meure. Non, elle va mourir. Oh, la débilité de l'équipe. Oh, elle meurt pas. Oh, qu'est-ce que c'est fort, ce jeu. Merci, Destin, pour le lien. Et merci encore, hein, bien sûr. Bon. Mon équipe de soi-disant carry est totalement morte. Du coup, c'est mon équipe principale qui va devoir gérer le tout. Annabelle, faut que tu soignes. Annabelle, c'est ton taf. Faut que tu soignes. Sois pas débile. Yes. Oh. Yes. Jamais j'ai été autant motivé pour Annabelle. J'étais en arène, bah défonce-moi. Hein. Lâche-toi, hein. Tu peux me défoncer. Combien faut de speed 7 coups de Stella sans lead skill et le totem? Je crois que. Oh. C'est vrai que la barre de don, elle a pas marché du tout là. Genre. Pff, elles sont mal les couilles. Il faut 220 speed in game, je crois. Du coup, t'as 15% en plus, vise les 205, je crois. C'est comme ça. Bon, bah c'est passé. Et t'as un bon drop en plus, speed 3-4 en wheel, c'est plutôt sympa. Oh bon, on entoure les bombes. Ah ouais, il fait ça sérieux? Ah, désolé les gars, je suis full inventory. On revient. Je vais meuler quelques petits trucs et voilà. On est que 79 sérieux là? Bon bah c'est que je pue, hein, c'est tout les gars. Les gars, je fais une toute petite pause de meulage, truc comme ça. Et on est reparti, ok? Salut Ekan, comment tu vas? Qu'est-ce que j'ai gagné? J'en ai trop d'attaque à 4%, sérieux. Genre des attaques 4-7%, j'en ai 1, 2, ici, 3, 4. Ah non, j'en ai que 4 dans l'inventaire. Bizarre. Bon, je croyais que j'en ai plus. Peut-être 5, j'ai du mal compter peut-être. Tu m'étonnes, Lucien, ça augmente de ouf. Hein. Qu'est-ce qui est en fatal que je peux booster un peu, genre? Genre, ouais, j'en suis là. C'est vrai que, ouais, elle a été cassée en un don. Ouais, ça c'est vrai. Salut, cochon, ça va ou quoi? Bon, en vrai, là, c'est vraiment dépenser pour dépenser, là. Pour vider un peu de place dans le truc. Parce que j'en ai marre de mettre des runes sur des monstres en fait comme ça, vous voyez? Genre la citrouille, des runes rage et tout quoi. Ah ça, si un jour il y a rune infinie description, le jeu aura bien changé. Hein. Est-ce que je peux meuler ça? Ah bah humeur, ouais on peut faire ça hein. En vrai, moi, je faisais ça pour pas que les gens passent de l'énergie dans le vent, parce que on risque de fail, en fait, hein, tu vois. Et fail, c'est quand même dommage. Je vais pas me laisser ça, je suis pas sérieux. J'ai deux places. Bon, fuck. Bon, tant pis. Je vais mettre des runes sur un monstre niveau toit, hein, voilà, c'est un bon monstre, ça. On va mettre ça, j'enlèverai samedi. T'as quoi comme lead humeur? J'ai bloqué le monstre pour pas le foutre par contre. Salut Alvaro. Voilà, ça c'est des bons runages. Je vais faire un tuto pour le runage les gars. Il faut exactement faire ça. Ça c'est comme ça qu'on rune plus rien. Et puis voilà. T'as def écrite? Ok, ok, c'est cool. Je vais faire quelques ailes d'arène parce que je suis à 9 sur 10. Et c'est pas la vraie vie. Ah bah si, c'est bon. J'en fais 2 comme ça, je serai large jusqu'à la fin du stream. Du coup, alors je vais quand même pouvoir répondre à quelques questions. Hein.
Merci Infenius. Putain, vous êtes vraiment trop sympa les gars. Merci beaucoup putain. 200. Comme ça, tu prends une Sony. Merci beaucoup encore. Enfin, je te coupe pas la parole quand même. Déjà 18 de speed. C'est la vraie vie hein. C'est comme ça qu'on ruine plus rien les gars. Bon, je fais une autre aile et c'est parti. Ok break, Shul. Je vais essayer de prendre break Shul pour le prochain run. T'as vu, merci Ekan, ouais. Je pense qu'elle correspond parfaitement à mon état d'esprit quand je vois cette musique apparaître. Je me dis, oh putain, c'est la fête, comme il dirait. C'est possible une récompense review dans la soirée ou plus tard. En fait, j'ai fait aujourd'hui déjà, j'ai fait 2h, enfin 1h50 de coaching, revue, tout ça. Donc, c'est vrai que j'ai un peu la flemme, tu vois. Je le dis, tu vois, voilà, quand tu fasses plus de 2h par jour à faire des reviews, c'est un peu relou. À voir, tu vois. Déjà, avec Alendel, je dois voir quelque chose après. Donc, c'est pas pour aujourd'hui. Peut-être demain ou après-demain, tu vois, et puis voilà. Quoi. Ça serait bien, toi, Eposaï. Du coup, Red. Il y a Humeur qui voulait se proposer à participer. Merci Ruth. T'as... Merci ouais. T'as raté quelque chose? Bah, je propose du carry. YOLOSWAG. J'ai raté quelque chose. Bah tu as raté. Oh, je fais du carry de Vélin Light and Dark. Je donne des Vélin Light and Dark. T'as vu? C'est pas... C'est pas de la gentillesse ça? Et les gens ont été très gentils déjà, dont toi, je te remercie aussi, je remercie tout le monde. Parce qu'en fait mon téléphone est en train de mourir, mais genre il est mort là. Là il a plus que 20% de batterie. Oh! Il a pas descendu depuis quelques minutes, c'est pas mal. Mais j'allais certainement arrêter le stream pendant une ou deux semaines, le temps de que le téléphone aille en réparation. Mais les gens ont dit non, prends une tablette. Et du coup ben, je vais devoir... exaucer la prière des gens, et qui est aussi la mienne, avoir une tablette c'est plutôt bien quand même en soi. Et du coup, ben voilà. Par contre, je vais enlever Meiyuwang, toi tu vas mettre lead Meiyuwang. Et du coup, maintenant, les prochains streams, ben, j'aurai une tablette. Et tu viens ou pas, du coup, Break Chul? Je t'ai invité. Ah, tu peux pas venir en fait. T'as pas débloqué le R5. Kazu. Est-ce que t'as l'idresse ou pas? Nope, il a pas res. Il faudrait que vous ayez l'idresse ou n'importe quoi, les gens. Je pourrais faire des tests en direct d'appli. Exactement. Exactement. Les gens, quand je vous invite, j'espère que vous avez un petit lead résistance qui sort de derrière les fagots, hein, pour qu'on puisse pas trop galérer. Ah, zéro Tesa, putain, ça craint. Non, mais c'est cool. Allez, on va essayer ça comme ça. Ah désolé Carpet, ouais, il y a pas mal de gens qui veulent. Bah de rien, j'essaie, hein. C'est le but du stream, on va essayer de trouver des vélins pour vous. Et pendant ce temps, je vais dire qu'est-ce qui pourrait changer à ta team. Tachazoun, pas assez de def, tout simplement. Le reste ça va, mais pas assez de def. Ça va en vrai, je te jure en vrai. Un peu plus de PV ferait plaisir, mais je pense que t'as rien qui est meulé sur tes runes. Et tes runes sont pas maxées, donc ouais. En vrai, elle est correcte. Un peu lent, mais... En vrai, c'est pas aberrant, t'as pas de... De trucs aberrants, donc ça va.
Un peu lente, mais bon. En gros, ça va. Juste, faut que t'améliores toutes tes runes, quoi. Salut Trolline, ça va ou quoi? Elle a 0 DPS sa team? Ouais, c'est vrai, mais t'inquiète pas. Mtrox, lui, il a du vrai DPS. C'est bon, avec lui, on va rouler sur le jeu. Bon, Gola, bah ok, je vais essayer. Hein. Désolé, Pember, en fait, je te jure, c'est pas facile en fait quand t'as un stream et que genre là t'as 17 messages en fait. Bah, t'envoies un, il y a écrit R5, tu cliques dessus, t'invites, tu fais pas le tri du. En gros, je clique au pif quoi. Désolé si j'étais passé. Je pense que t'es pas le seul que j'ai passé du coup, tu vois. Skill up Léo? Je suis pas sûr. À demander aux utilisateurs de Léo si ça vaut le coup. Moi, je suis pas tant convaincu qu'il ait besoin de skill up. À moins que son reset. Non, c'est un passif en plus, donc il augmente pas. Je sais pas. Il peut marcher sans, je pense. Ah, mais cool! Nice trolling. Pour ceux qui comprennent pas, en fait, chez Ishii, qui est sur le stream, je pense encore ou pas? Je sais pas. Comment ça, chez vous, j'ai pas assez de mes deux teams pour carrer les gens? Eh ben si, hein! Moi, c'est ce que je faisais depuis tout à l'heure et t'es arrivé après, j'avoue. Mais Humeur a insisté pour aider. Il a dit, oh, si tu veux, je peux aider. Je dis, ouais. Comme ça, au moins. Lui aussi, il peut gagner une récompense, il fait du raid. En gros, il squatte. Hein, il squatte. Ce gros squat. T'as changé, Humeur. Hein. T'es vraiment trop un squatteur. Ok. Vongola, t'es le prochain. Voilà, j'ai dit Vongola parce que j'ai fini une petite aparté pour lui. Mais voilà, chez Shi, cet après-midi, il avait pas d'amis. Il pleurait sur Twitter. Oh putain, j'ai pas d'amis sur Summoner's War. Mon meilleur rep, c'est un Lucian niveau 32 avec PV en 4 et tout. Du coup, on lui a cherché des amis. Ah mais je suis con, j'ai quitté, je t'en ravite, Humeur. J'ai pas fait exprès. Hop. Blicky. Salut. Je voudrais quoi? J'aurais tout entendu. Skill up mes Wuang, ouais carrément. Enfin moi je regrette pas en tout cas. C'est sur Europe, désolé, mes mines wannabe situées sur Global. Oh ben merci à Sidokinj d'avoir mon stream. Tu m'étonnes. Bah de rien. J'espère hein, que ça. N'hésitez pas hein, si vous ouvrez Light and Dark à dire ce que vous avez vu. Genre si vous avez vraiment un truc pété, bah ce sera encore plus intéressant pour nous quoi. T'as pas osé m'attaquer Ryuta? Ouais, désolé, j'ai oublié. Je parle. Du coup, ta team. Ton panda est bien. Il est globalement bien, donc c'est cool. Ta Lisa, un peu de def et d'HP en plus, ça serait bien. Ah, elle manque de résistance. Elle manque de résistance, ta Lisa. C'est un cleanser, du coup, faut pas oublier la résistance, tu vois. Ta Pra. Elle doit mourir, je pense, elle. Elle a pas de def, en fait. Donc, je pense qu'elle va mourir. Ta colline, pas mal, violente revanche c'est bien, elle est assez rapide. On veut un peu plus d'HP et de def, mais en soi c'est parce que t'as rien de meulé. Pas mal. Elle est bien. Manque un peu d'HP. Mais je pense que ça passe quand même. Et t'as bien fait, non c'est bien. Manque un peu de tankiness, tu vois, tes monstres. C'est un peu just, mais l'idée est là en tout cas. Ouh.
Colline front ou back? Ça dépend de si t'arrives à la mettre en front. Elle est en front, sa colline. C'est bien en front, elle compte un peu plus souvent pour le break attack. Et en soi, vaut mieux mettre colline devant qu'un DPS, comme ça le DPS il peut taper fort derrière. C'est quoi ma team N chez N10? Moi je joue Wulyong, Shazun Dark, avec double Lucian et double Lich. Voilà. Comment on fait pour se faire carry? Il faut parler dans le 14-14. Me dira, peux-tu me carry s'il te plaît? Il faut que vous ayez l'idrez, ce serait sympa. Parce que le nom on l'a pas. Et vraiment, je suis désolé, je vais certainement en squeezer quelques-uns d'entre vous. Mais sans faire exprès, c'est juste qu'il y a beaucoup de messages. Et voilà quoi. Oh nice! Anubis Light, t'as eu bien? T'es sérieux? Ah, il est vachement bien! Ah, il est vachement bien! Je crois. Oui, il est bien, c'est Amarna, c'est ça? Bon, Yeria, je l'ai vu écrire dans le chat tout à l'heure en disant. C'est pas la première fois qu'il écrit, les gars, donc je l'ai vu, je l'ai reconnu. Qu'est-ce que j'en pense, Destin? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, je suis con. Niveau tankiness, elle est cool. Hein. Je regarde s'il y a de quoi meuler un peu les trucs, tu vois. Genre de l'attaque en fait. Il faut que tu rajoutes de l'attaque un peu par-ci, par-là quoi. Ouais, sur ta rune 1. Ah, elle manque un peu d'attaque quand même en fait, je trouve. Je pense que toi aussi, non? Et Destin, je pense que tu trouves que ta Liumel manque un peu d'attaque. Hein. Ouais, bah donc, ouais, GG pour celui qui a eu Horus Light tout à l'heure. C'est qu'elle a des attaques de merde. Oh, j'ai. Qu'est-ce qu'elle a comme base attaque? Elle a pire que Xiaolin? Ah ouais, 620 attaques elle a. Ah ouais, tu m'étonnes que t'aies pas réussi à lui faire beaucoup d'attaques. Oh, ça pue le caca ça. Et justement, en fait, quelqu'un qui demande Anubis Light, Humeur, il l'a dans sa team. Hein. Il l'a dans sa team. C'est vraiment hyper fort pour le raid. Bon, je vais mater les stats de la personne à gauche, j'ai pas monté les stats. Colline, un peu plus de def. Après, sinon, vitesse et PV, ça peut peut-être passer quand même, je pense. Tomber là, aussi plus de def. C'est la même chose en fait, c'est surtout la def devant. Ce qui fait un petit cap en R5, c'est par rapport à R4, c'est la frontline surtout en fait. Il est bien sinon, il est bien rapide. En fait, non, lui il est bien. Un peu plus de PV, tu vois, il y a toujours un petit truc à gratter quand même pour passer un step, mais bon. Shazun plus de def. Lui il est là pour le leader skill. Et elle passerait. Cool, on a encore réussi. Eh, on donne plein de vélins, c'est cool. C'est cool. Ton mec à feu au lieu du vent de ta team. En fait j'ai fou. D'habitude j'ai mec à feu dans ma team. Mais Mtrox qui est dans la team là voulait aider. Et lui, il a pas de lead PV. Du coup, je lui ai laissé mettre le lead def. Merde, tu es con, j'ai encore quitté. Je lui laisse mettre le lead def. Et moi, je mets le PV, quoi. Tu vois? Genre, j'ai le choix un peu du leader skill. Hop. Désolé, les gars. Je sais qu'il y en a qui vont être tristes. Je prends au pif. Ah! Draxion. Ah! Ah! Je crois, les gars. Que c'est prématuré, il restait genre je crois 19% de batterie et mon téléphone refuse absolument toute communication.
avec les touches. Quand j'appuie dessus, ça ne marche pas en fait. Je. Ouais. Bon, ben, je ne peux plus carry les gens. J'ai. Voilà, il est mort. On a réussi à faire une heure de carry les gens. Est-ce que Elfil est dans la place? Parce que peut-être qu'il joue actuellement à. Vous avez vu, il a lâché d'un coup, hein. Genre la seconde d'après, il n'y a plus de batterie, quoi. Je n'avais point menti. Il y a des conditions pour se faire inviter en R5. Eh ben, il y a que j'ai que mon téléphone marche, mais il ne marche plus. C'est un vrai rip. Là, c'est le rip global. Ben ouais, j'ai pas grand-chose à vous proposer. Je peux vous mettre une vidéo d'un chat qui danse à la place de l'écran qui bouge là, mais. Là, c'est vraiment le vrai rip PLS. Et il s'allume plus, hein. La dernière fois, j'avais dû le laisser charger pendant tout mon trajet en Belgique pour qu'il se rallume après. Genre 4 jours, on parle quand même, tu vois. Là, non, il veut plus s'allumer. Et ouais. Ma Swift légendaire, elle est où? On m'a menti. Ouais, j'ai beaucoup menti. Un stream shopping tablette sur internet. Je suis pas sûr que ça intéresse grand monde. Allez. Alors, quel est le site d'achat de tablettes intéressant? Le chat qui danse? Vous votez pour le chat qui danse? Allez hop. Voilà. C'est pas mal, hein? Prends le tel de ma copine, mais en fait le tel de ma copine il supporte pas le stream. Malheureusement il supporte pas le stream. Amazon, ouais, peut-être que je vais faire Amazon, je pense. C'est la grosse ambiance. En vrai, si quelqu'un du coup veut reprendre le stream, hein, on peut faire de la merde, hein, pendant le stream, mais ce sera pas du Summoners War. C'est un peu dommage, quoi, pendant. Au pire, je peux répondre à toutes vos questions pendant 20. Non, 50 minutes en fait. Ah, bah GG pour le Legend, merci. Tu fais tes 2 mois sur chaque qui danse. Merci Darkfire. Non, mais moi, c'est juste que monter. Boomerang, ouais, normalement, il. Quand on a un téléphone qui charge, il devrait avoir de la batterie, mais plus le mien. Ah ben, Grégaropé, Dadou, vous avez vu? Vous pouvez voir? Ah non, peut-être qu'on a pris une défense. Mais on était classé 7ème en GVG tout à l'heure. C'était n'importe quoi. Genre, on a réussi genre 7 défenses d'affilée. Enfin, je sais pas, c'est n'importe quoi. Fais un tuto maquillage. Alors, est-ce qu'il y a des trucs genre cosplay Summoner's War? C'est très important. Et le pire, c'est les couilles en fait. Que s'est-il passé à plus? Mon téléphone est mort, genre le de type DC, genre mort. J'ai Basalt, ouais, j'ai Basalt, il est en violent. Vitesse PV. N'importe quel team, ça passe en fait. Shimitae, c'est sympa, ouais, en leader skill. Pendant ce temps, on va mettre un truc, genre n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez voir? Oh 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 oh! Il y a espoir, les gars! Est-ce que vous voyez? 0% de batterie? Ça va rester comme ça pendant 3 jours. Mais voilà. Au pire, mets une de tes vidéos YouTube. On va commenter une de mes vidéos YouTube. Alors ça, si c'est pas vraiment de la pub, le mec, il s'est fait sa propagande en stream. Ah, mais allez, les gars, on va faire du R5 à deux teams. Allez, c'est parti. Par contre, on va enlever ma voix parce que c'est vachement perturbant de m'entendre parler. Ça se trouve, le mec qui arrive là sur le stream, il verra pas la différence.
Il dira, ah oh, waouh, il est en train de carrer quelqu'un et tout, c'est trop stylé, waouh. Est-ce que ça se voit un peu? Gros contenu. Gros stream. Voilà. Les vidéos de YDCV. Il y a eu le cosplay Zeros. Ouais. C'est vrai que ouais, je pense que c'est pas facile à faire ça pour de vrai. C'est un Wiko, ouais, c'est un Wiko, ouais. C'est le Fever. C'est la première fois que vous voyez ça. Le mec fait semblant de jouer en stream. Il fait vraiment semblant de jouer en stream. Ouais, il est sur secteur, Crox, ouais. Il est sur secteur. Mes impressions sur ma première vidéo. Waouh, eh, t'es pas prêt à voir mes premières vidéos. Hein. Eh, ça pue la merde. Hein. Allez, on va faire ça juste pour rigoler. On va faire ça va être rigolo, ouais. On va voir les premières vidéos YouTube. Où est-ce que c'est? C'est un peu comme les statuts Facebook d'il y a 10 ans. Si tu dis, waouh, j'ai vraiment osé faire ça. Voilà, c'est la même histoire. Alors, vidéo, c'est ici. J'ai fait combien de vidéos en tout? En soi, c'est vrai que ça commence à faire un petit moment. J'ai fait les premières vidéos il y a 10 mois, je crois. Guide de progression. Waouh. Et après, j'avais fait un tuto précision vs résistance. Allez. Allez, allez, c'est parti. Oh là là. Le cadrage a chié. On voyait genre. On voyait. Où est-ce qu'il est ce truc? Est-ce que je peux dézoomer au pire, genre, comme ça? Ouais, on va faire ça comme ça. On voyait l'appareil des muscu derrière et tout. J'avais fait des petits montages et tout. Genre, j'étais un dingue, moi. Pour progresser, fallait faire absolument ça, les gars. Mana a disparu ou c'est comment? Non, il arrive jeudi. Ouais, je sais ce que j'essaie de faire ça. On va cadrer ça comme ça. J'ai enlevé la musique. Et on va m'écouter parler. On sent la non-enjaillance en plus. Genre, j'étais pas très serein à parler devant une caméra. Et c'est bon, vous avez un farmer qui est vraiment prêt. Oh, la petite transition, on croirait un diapo du collège. Je conseille à mes amis qui ont commencé. Ah, j'étais tellement pas tué. Ah, les gars, je me sens mal dans mon âme là. Je suis obligé d'avancer là, j'écoute pas les phrases. Farmer Raok. Apparemment, ici. Vous répétez cette carte en boucle jusqu'à l'avoir et vous avez un farmer. Ou alors vous invoquez, vous avez de la chance, vous avez un farmer de ouf et voilà. Et je m'adresse pas à vous, j'aime pas les gens qui ont de la chance, ça me saoule. Je rigole. Bref. Après le farmer. On entend votre but plutôt, ça va être faire une équipe pour avoir des runes. Là, c'est vraiment le truc le plus important du jeu. Il faut des runes, les gars. C'est avoir des runes. Si vous avez pas de runes. Alors, la différence entre deux bons joueurs, à force, c'est plus les monstres, ça va être les runes. Parce que même un bon monstre avec des runes de merde, ça servira à rien. Est-ce que je peux monter le son? C'est pas assez fort, je trouve. Les runes, bah, c'est le géant. En premier temps, ça va vraiment être ça. Vous allez commencer, je pense, par le 6ème étage, assez facilement. Oui. Le 7 est un peu plus dur quand même, il y a un petit palier. Mais du coup en fait... Oh t'as eu Raki, GG Rami. GG Rami. C'est possible, monter les monstres clés qui vous permettront de faire géant 10ème étage. Enfin pas les miens, on s'en fout ça les miens. Ah oui il y avait ça c'est vrai. Oh putain. Sérieux. Malaise. Voilà, c'était ça. Mes vidéos il y a 10 ans, il y a 10 mois, je faisais ces vidéos là. Et ouais, je faisais ça. Salut Shanks.
arrêté mes vidéos il y a 10 mois, putain. J'ai changé, hein. Bon, on s'en fout de ça. Qu'est-ce que j'avais fait il y a d'intéressant il y a genre 10 mois, genre. Les défenses, what the fuck? Non, c'est vrai que c'est le premier truc que j'ai fait un peu comme concept sur ma chaîne. Les summon session. Putain. Salut Fentech. La première summon session, je crois que j'avais rien invoqué, comme toutes mes invocations de toute façon. Hosting. Ah, c'est marrant en fait. Oh merci Trollin, ça me fait rire ce que tu dis. Qu'est-ce qui pouvait être rigolo? Il y avait un truc où j'avais fait en salamèche. Salut les gens, c'est chez vous. Oh la belle intro, elle a pas changé d'ailleurs. Le salut c'est gens, c'est chez vous, elle a pas changé. J'avais fait l'invocation en salamèche, je me souviens. Allez, c'est parti. C'est sûr que c'est pas une vidéo Malaise TV. Ah, je vais la savourer cette summon session. Je vais pas skip. Non, ça, en vrai, c'est rigolo. Un bon expert en arts martiaux. J'aurais peut-être dû me déguiser en Sangoku, hein. Quand je vois sa gueule, je me dis que. Mais non, c'est pas ça qu'on veut. Allez, Hugues 20. Salamèche. Ah, Talc, c'est un bon tank, tu peux le garder. Ah, il s'est passé quoi? J'ai raté quoi? Je voyais que vous dites tous GG. J'ai raté un truc? Un host? Ah, merci GG pour le host. Ça fait plaisir. Allez, salamèche. Oh putain, j'avais osé dire salamèche en plus, putain. Bon. J'avais aucune limite, putain. J'avais aucune limite. J'avais peur de rien. Un bon vieux poivreau. Alors ça, par exemple, et du coup, je joue à Summoner's War sur mon téléphone si vous voulez. Je peux lancer des runs GB10 pendant ce temps comme ça. C'est nul. Ah, c'est un. Non, t'as des meilleures options en farmer. Ah, mais on parlait de Jiji, Accus. Le bon vieux Accus. Hey, wake up. Le bon Accus. Mais merci, Jiji. Je vais faire ce que j'ai fait. Est-ce que tu veux conseiller Accus? Pour mon Ifrit. C'est trop nul. Oh putain, j'ai vraiment osé faire ce genre de vidéo, putain. En vrai, j'ai honte. Du coup, vous pouvez mater un run GB10 ici. Allez. Pour l'instant. C'est le stream de la grosse PLS. Et je pense, les gars, que je peux pas trop faire de stream tout en chargeant une vidéo YouTube parce que. Bon, on s'en fout, c'est bon, on s'en fout. Ma connexion tient pas. Combien j'ai de cosplay Pokémon? Plein. Maintenant, on devrait avoir masse éclair, je le sens, ça y est. Please. Me faites pas invoquer que de la merde sur la première summon session. Please, please. Ah, mais voilà. Excellent. Pas tant excellent ça en fait. Pas tant excellent que ça. Ben, c'est sympa, ouais. C'est sympa. Clean de rune, là, bof. Je suis pas très fan des Horus. Enfin, si, il y en a qui sont bien, mais le feu. 3 summons MDR, les gens vont tous en vouloir 3. Go faire un compatif, j'ai réussi à mes 3 summons. Allez, on va comparer ma chance sur le compte de Sacram. C'est un mec pour qui j'ai invoqué 3 fois. Je vous jure, il a vraiment eu de la merde. Voyons voir, voyons voir. Voyons voir, Sacram, où est-ce que tu es? La première, en fait, je t'avais tellement pas respecté que il y avait Sidroy et Sacram, en fait, il y avait deux personnes en même temps. Salut les gens, c'est chez vous. Oh la belle intro, c'est génial ça. Avec le micro qui pue. Alors, on va faire en accéléré, sinon c'est pas drôle. Pourquoi j'ai mis Verdun en DB10? Je le mets pour être sûr d'être à vraiment 100% quand je suis pas en stream en fait. Mon portable c'est du caca. Je dis ça et au moment où je regarde mon téléphone j'ai perdu. Du coup est-ce qu'il n'y a pas play là? En accéléré. Vitesse. C'est fort ça. C'est bon. Je rien, c'est une vous comprenez rien comme ça, c'est cool. On va être en accéléré parce que je pense qu'il y avait eu aucun éclair vraiment. Mais quand je dis vraiment, je pense qu'il y avait vraiment eu aucun éclair sur toute l'invocation de. J'enlève la musique au pire. C'est quoi la vidéo de mana? Je suis pas au courant. Tu penses quoi la joueuse de Harpe Vent?
Pas facile à jouer. Enfin, c'est sympa, elle va cut un combo et sauver une personne, mais après elle fera rien, je crois. Et je crois que c'était le seul éclair là, les gars, et c'était Miken, il était très content. Il était très très ravi. Je fais un accéléré là. Quand même, hein, le gars il était content. Il avait eu en plus un Belladéon en rab. Et pendant ce temps, dans sa guilde, les gens ils invoquent un bon truc. Mais Mana il invoque trop de trucs stylés. Hein. Ah non, c'est vrai que t'avais eu Lucas. Bon, c'est pas non plus oufissime, mais c'est sympa. Sérieux, ma team là ? Bon, en vrai, les gars, je suis pas sûr que vous voulez vraiment voir toute ma chaîne YouTube. Salut, jeune faille. Est-ce que... Ah, il y a un bon moment à voir. Pour ceux qui ne le connaissent pas ce moment, il faut le voir. C'est un classique. On parle d'un streamer qui tacle le singe-vent. Ouais. Pourquoi j'en suis qu'au deuxième jour, moi ? C'est pas assez fort, non ? Il a joué le matin comme moi, le premier matin. Et en fait, l'event vient à 9h, et vu qu'il reset à 17h, c'est ça. Le temps de gratter un jour. Genre, il fait vraiment que trash talk le singe-vent. Ouais. Il meurt, hein, ça. Mec, le singe de Manibo, quand j'y vais, par exemple, si j'y vais, si j'ai le malheur d'y aller avec ma compo Théo, Ritesh, Lema, ben, sans break def, son singe il est en attaque, dégâts crit HP, et ben il me fait pop l'endure, et mon singe il a genre 18 KPV. J'ai eu des éclairs. MDR oh. Ok. Et voilà, il a rage quit. On parle d'un streamer passionné par ce qu'il fait. Pourquoi je regarde mes profs vidéos? En fait, mon téléphone il est éteint. Il a lâché, il est mort. Enfin, KHS, mort, foutu. Et du coup, je suis obligé de meubler. Comme de la merde en fait. Et voilà. C'est vraiment le meublage du pauvre. Ils m'ont dit, fais ça. Commente tes anciennes vidéos. Du coup, bah voilà, je fais ce que les gens me disent. Moi, je me fie au désir des gens. Et pendant ce temps, je réponds aux questions, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Vero, Théo, Kumaram doit être en concurrent 1-2. Ouais, c'est sympa. Je suis pas sûr que Veromos fasse grand chose. Mais si concurrent 1-2, ça le fera le faire, je pense. On s'en rappelle tous, c'était beau. En vrai, c'est nul de faire un stream sans jouer. Je peux essayer avec un truc, les gars. Avec le téléphone de ma copine, mais c'est pas sûr que ça tienne, les gars. Je vous le dis tout de suite. Je vais enlever ça, du coup. Je vais réessayer. C'est un ancien téléphone que ma copine me prête. Mais il est très vieux. Et quand je lance le stream, ça crache au bout de 2 secondes, quoi, genre. On va essayer. Hein. Qui ne tente rien à rien. Salut, Ar. Alors, c'est pas ça. Ah, ça marche pas en fait. Ça marche, mais genre pas du tout. Hein. Je fais pas des run dragons, si, mais je fais. En fait, ça tient sur mon téléphone, mais quand je lance le streaming sur le téléphone, ça crache. En gros, je peux streamer pendant 10 secondes, en gros, quoi, tu vois. Ce qui n'est pas beaucoup. Je suis expert en 10 secondes, mais c'est pas beaucoup.
Genre là, je vais vous montrer. Où est-ce que t'es ? C'est pas ça. Ah ouais, ça a déjà crash. J'ai même pas eu le temps de le mettre sur l'écran que ça a déjà crash. Donc pas possible. En vrai, j'ai vu Julien Feur sur le... sur le stream tout à l'heure. Si n'importe qui se sent chaud de prendre le stream, genre... go faire le Summon Simulator. Ah ouais, ça c'est une bonne idée ça. Ah, c'est une bonne idée. Shizzy Shades, on va faire ça. On va invoquer en masse. Allez, c'est parti. Ça va être rigolo ça. Enfin, rigolo, je sais pas si c'est rigolo mais... ouais, elle est sur ma chaîne, ouais, mais elle est en mode privé, faudrait que je la mette en public. Qu'est-ce que vous voulez que j'invoque ? Summon Session, les gars, limite je devrais changer le titre du stream. Genre, Mega Summon Session, oh my god. Il invoque 10 000 vélins. Un truc du genre. Où est-ce que c'est ? Web. Non, rien à voir. C'est ça. Salut Neferu. Allez, on va invoquer la Tienne d'Arc. Allez, on vise Cadiz, les gars, ok ? C'est parti. C'est parti. Ça, c'est tous les vélins, en fait, que j'aurais dû carry aux gens en PLR5 si j'avais de la batterie. Donc, pour l'instant, vous avez pas trop le seum, hein. Pour améliorer le temps de ma team Necrobedis, je sais pas c'est quoi ta team. Oh, Kuna. Pourquoi vous dites 10 secondes? J'ai pas compris ce que j'ai dit qui a parlé des 10 secondes. J'ai pas compris. Enfin, je sais plus ce que j'ai dit en fait comme truc. Des fois, je dis n'importe quoi. Ah, elle est en privé, Rising. Faut que je la mette en public. C'est quoi? Je vais la mettre en public maintenant. Ok. L'instant trash kit Delphi, il est où? Ouais, il est là. L'instant karma, là. Je vais la mettre en public. Et je vais vous mettre le lien. Modifier. Hop, en public. Hop, c'est bon. Il y a ça qu'un public, ok. Et le lien, c'est ça. Normalement, c'est en public là. Je crois. Grégo, good en raid ou pas? Ouais. Non. Grégo, c'est qui déjà? Est-ce que c'est la Lich Dark? Si oui, c'est bien. Sinon, pas tant. Bon, on veut Cadiz là. Bon, on voit que je ne suis pas en chance. Oh, c'est parti. Hop, hop, hop. C'est de la merde. Ok, c'est pas mal. Oh, je me rattrape un peu là. Pas mal. J'ai un ami, il a Cadiz. Bah, c'est pas toi. Donc tu gagnes pas. Je vois trop l'escroc qui met en titre de stream Summon Session, 300 vélins à la Tienne d'Arc et tout. Mais non, je ne suis pas un escroc. Le seul cadis que j'ai, c'est quand je vais au magasin. Et après, on critique mes blagues, hein. Ouais, super. Ah, le portable tient 10 secondes, ok, d'accord. Oh, Tozy. Encore un 4 étoiles de la Tienne d'Arc que je n'ai pas. Je comprends mieux vos blagues. Par contre, YouTube a fait un décalage avec vous du stream. Ça a provoqué un décalage de ouf. Ah, lui, je le veux pour de vrai, lui. Ça me saoule. Pour ma troisième team R5, quand ils vont le mettre. Je suis sur Europe, moi. Et on peut plus switch de serveur. Ils l'ont proposé une fois, mais ils le font plus maintenant. Oh, Akroma. En vrai, ça, si j'avais Akroma, j'en ferais rien, je crois. Donc en soi, ça me dérange pas de l'invoquer sur le simulateur.
Et si c'est Lich Dark, c'est pas trop mal en raid. C'est pas trop mal. Sans non plus être fou. Mais ça qui met un slow, un death break, donc c'est quand même plutôt pas mal. Kha'Zix c'est très 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 fort en raid, ouais. De ouf. C'est vraiment le monstre god god tier en raid. Oh, un autre 5 nat Lightning Dark. Mais lui, il m'emballe pas du tout. Qu'est-ce que je pense de Triton? Le deuxième meilleur stripper du jeu, selon moi, je pense. Kha'Zix, c'est le vampire dark. Alors, Faye, Lucien, Megan, Bernard. Ou Faye, Megan. C'est qui Triana? Et c'est qui Triana? Et en fait, toi, soit t'as une speed team qui tue tour 1. Oh, ben voilà, on parle d'Isis. Ah non, Iris, c'est l'autre, c'est la stripeuse là. Putain, je suis plutôt pas mal hein, niveau 5 Night Latin Dark, moi. Non, il y a un décalage là, son, ouais. J'ai merdé avec le stream, désolé. J'ai merdé. Peut-être que quand je la reposterai sur YouTube, je vais supprimer le décalage du son à l'image. Et du coup, les gens sur YouTube, ils m'entendront dire qu'il y a un décalage, alors qu'en fait, il n'y en a pas. Ils vont dire, mais il est con, pourquoi il dit ça? Mais en vrai, sans déconner, moi ça m'arrangerait hein, qu'il fasse la possibilité de faire 3 teams R5. Hein. Comme ça, quand je trouve personne, j'y vais tout seul. Ça me rappellerait les gens le temps où je jouais des mémos RPG avec mes plusieurs PC en même temps. Tu le jouerais avec quoi, Tozzi, sur ton compte? Un mélange de Tiana, Galéon, tu vois. Un truc du genre. Tu t'arrêtes quand tu chopes Kha'Zix? Ouais. Ouais, c'est ça exactement. Ah, bah tiens, notre Tozzi, tiens. Non, en vrai, si vous avez d'autres idées intéressantes de contenu à faire quand on ne peut pas jouer à Summoner's War en stream, je suis chaud. Non, faut pas jouer à Summoner's War avec Bustax parce que si tu te fais repérer, tu es banni et tu perds ton compte. Du coup, ça vaut pas le coup de prendre le risque. Ah ouais? Ah oui, tu m'as vu sur Rop, ouais. Tu m'as vu dans les commentaires de Red, oui. C'est vrai que j'ai mis des commentaires. Et Mana, il a fait l'appel au like de ses commentaires pour me dépasser. Cet escroc. Deux secondes, les gens. Et en fait, ce qui est nul avec le simulateur d'invocation, c'est que ça simule pas la joie d'avoir les éclairs, en fait, quand on a les éclairs, on s'en fout en fait, c'est pas très intéressant. Genre là, je m'en fous. Alors que normalement, je suis en sueur, hein, je vois les éclairs, je fais wow, wow, wow. J'ai un petit vertige, j'ai des nausées et tout. Ouais, j'ai posté sur YouTube, c'est tellement la PLS que c'est rigolo. Alicia, Frégate, Alicia, tes chars, tu remplaces qui pour mettre Triton dans Warren? Alicia, Frégate. Alicia, c'est Téchar. Ah, Psamat, Alicia, Frégate. La deuxième Alicia. Hein. Ou même le Téchar, je sais pas, mais pas besoin de tout ça. Hein. Fais des légendaires. Allez, c'est parti, on fait des légendaires. Les gars, je me donne environ 2 V1 pour avoir un 5 nat. C'est parti, maintenant j'ai un 5 nat. Presque. Presque. En fait, il est dur, le jeu, là. Il me donne de la merde. Go faire un démineur en live sur sbleufer.tv. J'aimerais bien faire quelque chose qui est lié à Summoner's War quand même pendant encore 25 minutes pour que les gens comprennent qu'ils sont bien sur summoner's war.tv. Sérieux, j'ai pas de 5 étoiles ou quoi là? C'est quoi ces conneries? Combien de points pour un clean de rune? Je sais pas, 1 milliard. Genre le gars qui veut pas en faire, il en faut environ 7 200 000. Sinon on peut pas les faire. Oh, je peux faire un Tetris. Allez, on va faire un Tetris. Je suis chaud, ouais. J'aime bien Tetris. 2 secondes. D'abord il faut que je cache ça. Hop. Parce que sinon vous allez voir mon identité sur Facebook. Où es-tu?
J'aime bien dire ça, justement j'ai dit oh je veux pas faire un truc qui a pas de rapport avec Summoner's War et tout. On va défoncer des gens à Tetris. Je peux pas me connecter à Facebook parce que mon téléphone est mort. De type DC. Ouais, sinon on peut faire les soldes. On peut faire les soldes aussi. Non, j'ai pas de contenu à offrir aux viewers, non. Pas du tout. Non, j'ai vraiment pas de contenu à offrir aux viewers. C'est le pire stream du monde. Mon téléphone est mort, les gens. Il a lâché en plein stream. Et du coup, on fait ce qu'on peut. Il a le vrai lâché. Sans, il faisait déjà des gros signes de lâchement. En mode, il ne marchait plus, quoi. Bon, vous êtes gentil avec votre free gameplay et sponsor buy, mais est-ce que je peux jouer? À quelle heure? Go montrer le téléphone de ma copine à la cam. Allez, c'est parti, les gars. On va faire un stream Summoner's War comme ça. Ça va être trop drôle. Ouais! Alors, moi, je joue Verdeil. Galéon, c'est trop stylé, vous allez voir. Ça, c'est comme ça. Waouh, t'es trop fort. Et là, bam bam bam, 9000 et tout. Enfin, c'est un truc de ouf ce qui se passe, les gars. Ouais, il y a eu un gros décalage, Herbacha. Parce que j'ai lancé des vidéos YouTube et ma connexion elle a pas suivi, tu vois. Ma connexion a pas suivi, ce qui fait que ça... Bon, en fait, le truc, il veut pas se lancer. Ah, close. Allez, Tetris. Tetris. Allez, ouh. Et vous allez me voir rager. Par contre, sur Tetris, je rage. Oh, il lag mon PV. Mon PV. Oh, non, mon PC lag de ouf. Bon, je vais essayer de jouer bien, quand même. Ah, normalement, je suis beaucoup meilleur que ça. Bonsoir, Oh putain, il est sérieux? Bon, je peux pas jouer, les gars. On peut pas faire Tetris, le PC lag avec le stream. Bon. Est-ce que tu peux prendre le stream pour 20 minutes? Et salut, petit book. Là, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Mais personne. Personne ne peut prendre le stream. On va faire les soldes. La future tablette. La future tablette que vous avez très gentiment, les gens, financée. J'ai bien envie de faire Amazon, tiens, moi. Amazon, c'est rapide. Voilà, chi. Exactement. Où est-ce que c'est? C'est ça? Ok. Allez hop. Vous avez tellement donné que... J'ai bien envie de prendre la Nvidia. On va voir les comparatifs, tu vois. Tablette. Qu'est-ce que Internet nous propose? C'est un peu cher ça quand même. 699 euros. 700 euros la tablette, il se fout un peu de ma gueule, hein. Il se fout un peu de ma gueule. Galion, 2 capit attaque, c'est bien ça. Bah pour DB10, il est largement suffisant. Tu t'aurais vu mon Galion avant? Oh, c'était vraiment de la merde, hein. Il était vraiment moins bien que le tien. C'est un stream ou un diapo? Je ne sais pas. Je me reconvertis dans ma formation PowerPoint. J'espère que que Microsoft va m'embaucher. Il faut un nouveau PC pour le stream Tetris, que je puisse stream tout en étant sur Facebook et jouer à Tetris. En vrai, qu'est-ce que je prends comme tablette en marque? Il faut qu'elle soit sous Android.
Comment tu ruines Rakan? Ça dépend c'est à quel niveau. Moi je le ruinerais personnellement en... Allez, Vampire Will je pense quand même. Je pense que je ferais Vampire Will. PV, dégâts crit PV avec du taux crit en sub. Enfin, il faut tellement de stats que voilà quoi. Oublie Balux, bah, c'est vrai ça, merci pour tes réflexes de consommateur aguerri. Est-ce qu'il y a des trucs de marque genre? Ah, 200 en tout, hein, Mina de Trolline. Donc le budget est assez large. Ah, c'est pour décider. Ah oui, ce genre de tablette, je suis débile quoi. Je veux bien du Samsung. Je veux bien du Nvidia. Est-ce qu'il y a Nvidia? Nvidia, où est-ce que tu es? Allez. Qu'est-ce qu'il me propose? Galaxy Tab, Nvidia Shield. Elle me tente la Nvidia Shield quand même. La Galaxy Tab E, c'est celle que j'ai. Elle est bien ou pas? Parce que si c'est un truc pourri, tu vois, c'est nul quoi. Mais si elle est bien, ça peut m'intéresser. Tab E, celle-là. Elle est là en haut à gauche là. Galaxy Tab E, tablette tactile. En fait, il faut aussi que je vois si la tablette a des solutions de mirroring qui sont faciles pour moi. Il n'y a pas de Summoner's War, non, Harrod, on est désolé. La rose est pas mal? Mince, je sais pas de quoi tu parles. Il y a tellement de décalage avec le stream que du coup, bah, la rose, elle y est plus. Mon tel est mort, il est décédé de type mort. De type, il va aller au service après-vente. Et on espère qu'ils vont me le réparer assez vite. Et en fait, par contre, il y a un truc avec la K1 là, la Nvidia Shield K1. Ce qui me pose problème, c'est que j'ai entendu dire qu'on pouvait pas stream tout en étant branché au secteur. Et ça c'est un peu nul non? En gros on est limité sur la quantité de stream qu'on fait. Si t'es encore là Julien, est-ce que je vais essayer de te MP pour voir si tu es là? Je sais que toi tu l'as, et est-ce que t'en es satisfait en fait? Merci NPV de ta... comment on dit, de ton volontariat, genre de ton bénévolat. Continuez avec la livraison en un jour ouvré gratuite. C'est pas mal ça. Pas mal du tout ça, en un jour ouvré. Elle a l'air pas mal, hein. Elle a l'air pas mal du tout. Le cover, je m'en fous. Mais c'est vrai que le Samsung, pour mirroring, ça a l'air bien parce qu'on peut faire avec la souris. Ouais, voilà, il y a SideSync. Et ça a l'air sympa de pouvoir cliquer tout ça, ça rajouterait un petit contenu pour mes streams. Et j'étais parti sur du Samsung dans ma tête quand j'ai vu que vous m'aviez rincé de manière totalement genre tuyau d'arrosage. Et je vous remercie encore d'ailleurs, hein. Merci, putain, c'est trop cool. C'est vrai que la souris pour voir où je clique et tout, ça peut être bien. Donc j'hésite entre la Shield pour le confort quand je stream pas, parce que je pense qu'elle est mieux. Ou le Samsung pour avoir une qualité de stream meilleure. Il va falloir que je fasse un Stropole. En gros, est-ce que je pense à ma gueule ou à la vôtre? En fait, ouais, est-ce que je suis un gros trou du cul qui pense qu'à sa gueule? Mais Harrod, ouais, c'est vraiment la première fois, franchement, que... Et la dernière, hein, que je fais un stream qui plante à la moitié. Parce que c'est pas ça la vraie vie, hein. Je sens que je vais craquer pour la Shield, hein. Elle a l'air tellement jolie en fait. Et après c'est quoi tab A vous dites? Tab E? Celle-là? Tab A? Très content? Bah c'est vrai qu'elle a l'air tout à fait correcte, hein, de manière correcte. Amazon Stream, exactement. En fait, j'ai reçu une grosse commission
de Amazon qui m'a dit faut que si tu fais de la pub en stream, on t'offre la livraison. Il y a écrit livraison gratuite, vous avez vu? C'est ouf. Ah merde, je suis pas au courant. Je ne suis pas du tout au courant. Et c'est quoi l'histoire en fait avec Amazon? En fait, j'ai jamais commandé avec Amazon. Mais genre vraiment. Cap de précis, c'est 55. Bah non, je vais pas penser à moi. Hein. Je pense à vous, c'est vous qui avez financé ça donc. C'est vrai que les occasions plus chères que neuf, c'est quoi le délire là? C'est quoi le délire? Bon, hein, je pense que je réfléchirai à ça à tête posée, hein, au calme. Ouais, je pense aussi que Samsung ça doit être bien. Et je pense que je vais partir sur Samsung pour pouvoir cliquer en fait. Avoir une petite souris. Un peu comme YDCB et notre pro Elphil aussi. On a un pro local qui stream avec du Samsung. Mais je suis pas sûr que si je puisse cliquer la souris. En fait, je vais faire des recherches sur internet pour voir si la shield permet d'avoir la souris visible à l'écran, si je peux stream en étant branché à secteur. Ce genre de recherche en fait, pour savoir vraiment. Ce qui vaut mieux quoi. Parce que là en gros on fait n'importe quoi. À choisir sans vraiment d'informations, on fait le mauvais choix. Mais dommage que Julien ne soit plus là. Parce que lui il aurait très bien pu expliquer. Ah peut-être parce qu'il est en réunion simplement en fait. C'est vrai que tout le monde est en réunion pour l'event caritatif. Du coup, il n'entend plus. Je lui ai envoyé un petit message écrit. Daemon, j'en ai aucune idée. Je sais pas de. Qu'est-ce qu'il disait Mana? Mana il me parle pas parce qu'il m'aime pas. Ah ouais, Ingrat? Ok, en vrai, les gars on s'en fout. Au final, il y aurait des vidéos. Voilà, c'est tout. On s'en fout hein, pour le reste. Ah ouais, faut pas faire à Amazon. En fait, tu vois, merci de me dire ça, comme ça je le saurai tout simplement. Je le saurai. Qu'est-ce qu'il y a sur Reddit qui peut nous foutre le seum? Ah bah nice. Vous avez vu les gars qui a eu Cadiz avec son vélin du World Boss? Lui il mérite des grosses baffes dans sa tête. Alors, vous avez vu aussi ça? Lui il mérite des grosses baffes dans sa tête. Ça fait mal hein. Double triple tort, double. Comment il s'appelle le truc là? Zeratou? Il y a des gens qui méritent des grosses baffes. Et, faut que je retrouve le mec qui a eu Cadiz avec son vélin du World Boss. J'avais envie de le tuer mais. Ah, il y a un update pour le Speed Optimizer? C'est quoi ça? Ah non, mais je confonds Rune Optimizer et Speed Optimizer, je m'en fous. Envoie-lui un whiz, j'avoue. Un gros. Hey, wake up! Un truc bien sale en réunion. Il est où? Où est-ce qu'il est ce con? Voilà. Le mec qui a ça là avec son Van Overboss, c'est pas la vraie vie. Hein. Nous on a tous des vieilles Shannon éveillées quand on a un monstre Overboss. Et il y en a qui eux ont ça. Allez les gars, il reste plus que 10 minutes à tenir. C'est quoi les packs les plus rentables? Pendant ce temps, on a qu'à se faire du raid porn. Vous avez vu la dernière vidéo de Jim ou pas? Jim, c'est la nana qui sur YouTube fait le contenu très endgame, genre les vidéos de raid 5 en 12 secondes là.
moi je suis abonné à elle depuis genre très longtemps. Et à chaque fois que je reçois une notification de vidéo, je suis en sueur, je me dis oh putain. Ouais voilà, l'enculé, exactement. Je vais enlever ça. Et en fait, cette team, elle fait aussi le DB10. Et de manière assez vite. Genre, y a pas de galéon, y a rien. Bas les steaks. Et vraiment, dès que je reçois une notification de Jim, nouvelle vidéo, je fais oh là là. Mais les gars, vous prenez pas la tête hein, pour Amazon et tout ça, hein, on s'en fout. Hein. C'est comme tout, hein, c'est comme Pepsi ou Coca-Cola. Genre. Des fois on n'aime pas l'un, des fois on n'aime pas l'autre. Je dis n'importe quoi là. L'exemple n'a rien à voir, mais. Pourquoi Cadiz c'est fort? Il augmente en gros tes dégâts de 25% à lui tout seul. Voilà, en gros t'as que ça à savoir. Et pendant qu'il fait ça, il soigne toute ta team selon les dégâts qu'il fait. Voilà, au cas où, tu vois. Et il tape fort. Salut à tout le monde, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe n'importe quoi. On est en cours de Summoner's War là. Genre, je ne joue pas. Je mate des vidéos à la place. J'aille aussi, moi mec, moi je suis un ouf. Salut Draken. Enfin, le début de Summoner's War, là il faut vraiment le dire vite. Hein. Parce qu'en soi, là je. je Summoner's War rien du tout. Hein. Mon téléphone, est-ce qu'il a pris de la batterie? Vous vous souvenez, hein, il était éteint et il devait charger. Il a pris donc. Il a pris 2%. En une demi-heure de charge éteint, il a pris 2%. Et en fait, juste avant, j'ai regardé, il avait 3%. Genre, il a perdu 1% pendant qu'il était éteint et chargé. C'est n'importe quoi. Voilà. Mon téléphone est mort. Tawa en rune lame rapide et comment en PvE, PvP? Bah, elle est vraiment bien. PvP, pas facile à jouer, mais elle est bien. En gros, si vous avez pas Galéon, si vous avez pas. Des Romos aussi, vous pouvez faire cette team, les gars. Vous y arriverez pas, par contre, mais. Vous pouvez faire cette team. Et ça passe à 100%. Avec ses runes. Voilà. Est-ce qu'il y a ses runes d'ailleurs à la fin de la vidéo? C'est intéressant. Elles montent jamais ses runes dans ces vidéos, c'est chiant. Putain, la musique est mangée pour de vrai. Salut Alkyo. Mais sa chaîne YouTube, vraiment, c'est vraiment full débile. Y'a rien de normal en fait. Y'a rien qui est dans les normes du jeu. Moi, ce qui m'a fait bugger, c'était ça. Je vous assure, les gens. Normalement, on fait pas de Tewa Hard aussi vite. C'est le 100, Tewa Hard 100. Normalement, on va pas à cette vitesse là.
C'est un iPhone? Non, c'est pas un iPhone, non, c'est un Wiko. Alors, déjà, on lance pas Théo Hardsan avec Galéon, Wataor, enfin. Personne fait ça. Personne. Mais elle, si. Mets-le 10 minutes au frigo, t'ont-elle? Je peux tester. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, je l'ai amené au SAV, donc. Je pense qu'ils vont pas se faire chier, ils vont en mettre un nouveau et puis voilà. Enfin, je pense, hein, vraiment. Ou alors je suis optimiste. Et naïf. J'ai essayé avec différents chargeurs, Pivni. J'ai essayé avec différents chargeurs, différents câbles et tout, et ça change rien. Je pense vraiment, c'est juste que les gars, quand on joue à Summoner's War H24, enfin, mais forcément, bien sûr, la batterie elle prend trop cher. Hein. C'est tout, hein. Ah, j'ai cru que j'avais crash. J'ai la dalle. Ah ouais, tu m'étonnes que ça bug. Ah, je suis désolé. Bon, hein, vraiment, c'était le stream de la PLS. Au moins sur YouTube, les gens ils diront mais qu'est-ce que c'est que ce stream de merde? Il a osé faire ça, sérieux? S'il y a un mec sur YouTube qui entend ça là, qui entend ce que je dis, je te félicite d'avoir regardé ça pendant 2 heures parce que c'était vraiment n'importe quoi. Voilà. Ah, c'est un Wiko. Désolé, Drake. T'as l'impression d'arriver un peu trop tard? Bah, en vrai, Azage, tu rates rien. En vrai, mon téléphone a rendu l'âme pendant le stream, ce qui fait que forcément, t'as pas raté grand chose. Bah, vas-y, je vais arrêter YouTube. En vrai, ouais, ça doit pomper trop ma connexion. Les gens, de toute façon, il est 58. Et quelqu'un doit prendre le relais. Et c'est Tiki qui prend le relais normalement. Je vais envoyer un petit poke à Tiki. Tiki, t'es prêt? La chaîne YouTube de Jim, je te la mets là. Jim, c'est ça. Charlotte, elle est hyper bien à Nightmare. Bah, les gens. Je suis vraiment désolé de vous avoir infligé un stream full YOLO, on a fait n'importe quoi. Par contre, je vous remercie tous, hein, vraiment. Sans exception, ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis voilà. J'en ai marre, Tiki, ouais, putain. Ouais, j'en ai marre de faire n'importe quoi. Ouais, c'est ça, ouais, Val, il est mort en stream. Oh, genre, j'ai tenu 1 heure de stream et le téléphone a rendu l'âme juste après. Du coup, voilà, j'ai fait un peu tout n'importe quoi. On est parti par de l'invocation sur le simulateur jusqu'à un Tetris. Enfin, voilà, on a fait n'importe quoi. Et puis voilà quoi. Je vous remercie encore du coup tous. Je vous dis à mardi prochain. Normalement, je devrai la tablette d'ici là. Je pourrai stream sans souci. Et puis voilà, putain, merci beaucoup quoi. Je vous mets une petite page de pub le temps que Tiki arrive. Et puis voilà. Hop, petite pub. Bam. Bien sûr, ça change rien parce que je suis en train de parler, mais vous voyez plus ce que je fais. Je vais mettre de la musique aussi, tiens. Bonsoir chez Zoui tout le monde. Salut, un cher Dazop. Ah ok, Tsukemi, ton conseil de ta batterie, ça m'intéresse par contre ça. Ne jamais jouer en chance ta batterie. Putain, T'as l'impression d'arriver un peu trop tard. Bah en vrai, Azage, tu... Attends, j'ai pas envie d'entendre parler. Attends. Ah, ça m'intéresse ce que tu dis, tu vois. Ok.
Je pense à ça pour mon prochain téléphone. Et il y a eu un délai de port à cause de YouTube. Attends. Ah, mais c'est. Comment vas-tu? Oula, ça vient d'où le son là? Quel son? Oh, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, ok, non, c'est bon. C'était. Et j'ai toujours pas lancé la pub en fait, je suis en train de parler avec le truc, le stream revient. Ils t'entendent du coup, tu vois, donc fais gaffe à ce que tu dis. Ouais, non, non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Aussi, je dis rien de spécial, t'inquiète pas. Ok. Je lance la pub. T'es prêt ou pas toi? Ok, ouais, ça va le faire. Et 90 secondes. Mais de toute façon, tout le monde a désactivé les pubs, je pense, du coup, ils nous entendent parler là. Oh, y'a pas de soucis, j'assume. T'assumes? T'assumes tout? J'assume tout ce que je dis, tout ce que je fais. C'est du beau. Même si des fois je devrais peut-être pas, mais bon. Qu'est-ce que tu vas faire du coup pendant ton stream? J'en sais rien, comme d'hab. Mec, faut que t'assures, hein. J'ai fait n'importe quoi moi. Ils sont habitués avec moi, t'inquiète, je fais que du n'importe quoi. Ah non, mais j'ai joué à Tetris, mec. Ah putain, ah ouais. Tu vois? Ah ouais, effectivement. J'ai fait n'importe quoi. T'es sûr, ils ont mis parce qu'ils ont vu que ma Tetris était au petit, tu vois. Ah non, je pouvais rien faire, mon PC est full lagué, mon téléphone était éteint, j'ai fait du shopping sur Amazon, enfin tu vois genre. Ah oh, putain, ouais. Pas mal, hein. Ah ouais, la joie, t'es sur une page bizarre, là. NP. Du coup, bon, si t'es en place, c'est cool. Mm-hmm. La réunion est toujours en cours en bas? Ouais, la réunion, toujours. Ça touche au bout, mais c'est toujours en cours. Ok, ok, moi je vais aller dire bonjour quand même. Bah ouais, clairement. Bah, tu me dis quand t'as coupé que je lance le mien? Pas de soucis, il reste encore 26 secondes de publicité. 20 secondes, ok. Mais ouais, tu vois, c'est pas. Mais toi, tu pourras pas stream le week-end du. J'ai pas fait gaffe. Non, je suis pas là ce week-end. Ah merde. De toute façon, en plus, vu que mon téléphone a rendu là, mais il faut que j'ai le temps d'avoir la tablette d'ici là. Bon, en vrai, je pense que ça devrait aller quand même. Et puis voilà. Yes. Bon, bah impeccable. Bon, j'espère que tu les as mis en forme quand même. Bah oui, je pense que ceux qui sont encore là, ils sont contents d'être là, tu vois. Il y a quand même 677 spectateurs. Hein. J'ai réussi à garder 700 personnes sur Tetris. Putain, c'est clair. C'est clair. Ouais, c'est bon. Je vais couper le stream. Ok, bah je...